Donc bonjour, effectivement comme l'a dit Benoît, je représente la SMF, j'ai été commis d'office puisque les vrais spécialistes n'ont pas pu venir malheureusement, notamment la directrice des publications Valérie Berthé. Donc je vais tâcher de faire mon mieux, l'avantage que j'ai c'est que je pourrais dire plein de bêtises comme je ne suis pas spécialiste, je dirais que ce n'est pas ma faute, on m'a mal entraîné. Et donc effectivement je suis membre du bureau et du CA de la SMF et je vais essayer dans un premier temps de très rapidement remettre la SMF un peu dans son contexte et après parler de l'aspect maison d'édition. Alors est-ce que ça marche? Voilà. Donc je rappelle brièvement, je pense que tout le monde le sait mais c'est quand même, je pense que ça vaut la peine de rappeler que la SMF c'est une société savante qui a été créée en 1872. En 2017, on a atteint 1850 membres, ce qui est pas mal du tout. Et donc, sa structure est la suivante. Il y a un conseil d'administration avec 24 membres élus. Et issu de ce conseil d'administration, il y a un bureau avec 8 membres. Il y a aussi un conseil scientifique et aussi, très important, une commission d'enseignement. Et donc, si on regarde dans Wikipédia, il y a des gens qui ont écrit une page Wikipédia sur l'SMF, je ne sais même pas qui c'est. Les objectifs de la SMF sont les suivants, donc c'est pas nous qui le disons. La SMF a pour but l'avancement et la propagation des études mathématiques pures et appliquées. C'est joliment dit. Et l'organisation, je dirais géographique, c'est la suivante. Il y a des bureaux à l'Institut Henri Poincaré à Paris, où il y a 4 salariés. Et comme vous le savez sans doute, il y a la maison de la SMF juste à côté, qui emploie 2 salariés, et il y a également 4 salariés au CIRM. Et donc c'est l'occasion de rappeler, juste en passant, que la tutelle du CIRM, c'est la SMF. Et donc tout ce qui est gestion, vérification des comptes, etc., c'est la SMF. Donc c'est un rôle qui n'est pas toujours si bien connu que ça, donc je le rappelle. Et donc la SMF a comme vous l'imaginez, vous le savez, a des activités nombreuses et variées. Je fais une liste, mais pas exhaustive. Elle participe, elle écrit des tribunes sur l'enseignement. Récemment, vous avez pu voir dans la presse pas mal de choses, je pense. Elle participe à des groupes de travail et des comités sur l'enseignement et la recherche. Et très important, c'est un relais d'information pour toute la communauté mathématique française et au-delà. Et en particulier, j'en profite pour faire la publicité pour le nouveau site web de la SMF, qui est sur le point d'être mis en œuvre, et qui n'a strictement rien à voir avec l'ancien. Et pour ceux qui savent ce que peut être la gestion de telles choses, le back-office a totalement changé, ce qui donne ça a été très très compliqué comme passage, mais ça donne beaucoup de souplesse sur le fonctionnement des abonnements, etc. Tout l'aspect technique qui ne se voit pas évidemment sur la page web, sur la vitrine à laquelle tout le monde a accès. La SMF organise aussi des cycles de conférences, un texte à un mathématicien, une question à un chercheur. Depuis peu, maintenant, il y a un congrès tous les 2 ans. Donc, le premier a eu lieu en 2016. Le prochain, c'était à Lille début juin, comme vous le savez, j'espère. Et la SMF parraine aussi des congrès, des conférences, des journées. Donc, tout ça, c'est pour mettre un peu en perspective la SMF avant d'aborder le côté maison d'édition. Parce qu'effectivement, la SMF est une maison d'édition et il y a un mot très important sur lequel je reviendrai à la fin plus en détail, c'est une maison d'édition indépendante. Et donc, voici la liste des journaux et des livres que vous connaissez sans doute tous. Il y a la Gazette des mathématiciens, il y a les Annales de l'École normale supérieure, le Bulletin de la Société mathématique de France, qui est sans doute le journal emblématique de la SMF, la Revue d'histoire des mathématiques, les Mémoires de la SMF. Et du côté livres, il y a des collections très connues, comme Astérisque, les cours spécialisés, Documents mathématiques, Panorama et synthèse. Donc tout ça, je pense que tout le monde connaît. Donc ça, c'est tous des titres et des collections que la SMS publie. Pour les annales de l'ENS, c'est juste l'aspect... pardon ? Ah, excuse-moi. Oui, j'ai une petite question technique, mais qui a aussi des implications juridiques, puisqu'on a vu ce matin sur le statut d'Astérisque, parce que là, il est présenté comme un livre. Parfois, on le voit présenté comme une revue. Donc, est-ce que, par exemple, on peut déposer quelque chose qu'on dessine à la publication dans Astérix sur HAL de la même façon qu'un article, ou est-ce qu'il faut faire plus attention du fait que c'est considéré comme un livre? Ça dépend. Pour l'instant, on pourra en discuter après. C'est une discussion qu'on a, mais il faut que ça soit suffisamment long, en tout cas. C'est
faut que ce soit assez substantiel et long, parce que après c'est une histoire de format, hein, comment on répartit. Non, ça c'est une question qui est pas, je vais pas y répondre maintenant, mais on peut en discuter après, bien sûr. Et donc, y a d'autres collections que je mentionne, hein, comme Séminaires et Congrès, la série Cher Jean Morlaix, les journées annuelles, il y a des volumes spéciaux, hein, vous en avez vu certains là-haut, je pense, comme les œuvres complètes, par exemple, de René Thom. Et juste pour donner quelques chiffres, hein, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais quand même c'est important, on publie à peu près 8000 pages uniques par an, et depuis le début, ça fait 4 millions de pages imprimées, et ça fait 50 000 volumes. Donc c'est pas mal. Et il faut préciser que quasiment tout est géré en interne, entre Paris et Marseille. Quand je dis quasiment tout, c'est qu'il y a une partie de la composition qui est externalisée, ça coûte assez cher d'ailleurs, mais tout le reste, c'est interne. Alors là, j'aimerais préciser un peu comment ça fonctionne, sans trop entrer dans les détails. Et donc, il y a des personnels à la SMF qui sont spécialement affectés à l'édition, hein. Donc il y a 2 salariés à temps plein à Paris, à l'Institut Henri Poincaré, donc, au dernier étage. Et il y a 2 salariés à temps plein à Marseille, qui sont vraiment uniquement dédiés à l'édition à la SMF. Et bien sûr, comme vous vous en doutez, il y a des bénévoles. Donc à commencer par la directrice des publications, Valérie Berthet, qui n'a pas pu venir, qui consacre un énorme travail, une énorme partie de son temps à ça, bien sûr. En plus, il y a pas mal de changements et de nouveautés, donc ça implique un énorme travail. Le président de la SMF, Stéphane Seret, est très impliqué, évidemment, dans l'aspect maison d'édition, qui est fondamental, hein. Il y a aussi Jérôme Germoni, qui est spécialement dédié aux outils numériques pour la publication. Et bien sûr, d'autres bonnes volontés, hein, comme votre serviteur, vous. Sinon, ça ne pourrait pas fonctionner, tout ça. Et juste pour donner un seul petit exemple très bref, le bulletin de la SMF. Donc, même si je ne rentrais pas dans les détails comment on calcule le coût, ce n'est pas si facile, mais on peut estimer, disons, le coût. En fait, il est compensé par ce que ça leur apporte. Ça veut dire que ça s'équilibre. Donc, on ne gagne pas d'argent avec le bulletin de la SMF. En fait, on compense ce que ça coûte à quelques euros près. Donc ça, c'est le fonctionnement typique qu'on a. Et donc, je voudrais terminer par mentionner quelques projets et revenir sur ce que j'entendais par indépendant, pour être plus concret. Donc, en ce qui concerne les projets, on est en train de réfléchir au passage en gratuit de la version électronique du bulletin de la SMF. Grâce à un accord avec Matrice, on est aussi en train de numériser tous les astérisques. MatDoc, merci, désolé, oui, j'ai dit une bêtise au moins déjà, mais j'espère que c'est la dernière. L'idée, ça sera de rendre un accès gratuit au PDF des numéros qui ont plus de 10 années d'existence. Et il y a aussi un projet de revue gratuite innovante, dont je ne vais pas parler ici, c'est top secret, mais parce que c'est tellement magnifique qu'on risquerait de nous prendre l'idée. Et donc ça, c'est en gros les directions qu'on prend. Et pour revenir sur le terme indépendante, la SMF qui est indépendante, alors je précise un peu plus, en fait, il n'y a aucun financement récurrent d'institutions ou d'universités. Et en particulier, la SMF paie ses salariés. Donc ça, c'est une énorme, il y a une part salariale très importante. Et pour l'instant, on est à l'équilibre financier. Et donc ça fait quelques années maintenant qu'on est légèrement bénéficiaire, mais tout est injecté. Mais bon, par rapport au total, c'est un bénéfice microscopique, mais c'est à l'équilibre. Et cet équilibre, il est assez fragile, parce que si vous regardez les chiffres, lentement, il y a une érosion des abonnements, que ce soit en papier ou électronique d'ailleurs. Et donc, c'est un petit peu inquiétant, même s'il n'y a pas trop d'explications pour expliquer cette baisse, qui n'est pas énorme, mais elle est régulière, disons. Et une petite remarque aussi, du point de vue de la SMF, hein, je ne prétends pas que c'est une remarque générale, mais ça peut être quelque chose qu'on rencontre dans d'autres situations. Le passage d'un journal en gratuit, ça n'a pas de raison de produire d'économie d'échelle. Et donc actuellement, on a une secrétaire pour 9 collections et journaux, et si on en avait... c'est comme ça, on ne peut pas faire d'économie d'échelle de façon simple ou naïve. Donc ça, c'est un... Et donc, le mot de la fin... Donc la SMF est tout à fait ouverte à la discussion sur toutes ces problématiques. C'est évident que la Société Mathématique de France veut vraiment aider la communauté mathématique française et au-delà
à affronter toutes ces problématiques d'open access, de publication, etc. Donc vraiment, il faut ne pas hésiter à nous contacter, les gens du bureau, pour enclencher des discussions sur tous les aspects, toutes les idées, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Donc ça, c'est très important de le dire. Et donc là, j'espère vous avoir présenté très rapidement un peu comment on fonctionne, avec donc les avantages et les inconvénients. Et voilà, merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a quelques questions ? Non, je me demandais quel était le rôle de la SMF en tant que société savante dans la maison d'édition. Donc il y a tous les gens qui sont membres de l'SMF. Donc... Non. Si je reviens à ces journaux, je laisse de côté les annales de l'ENS pour l'instant, je y reviendrai. Donc les comités éditoriaux liés à la SMF, hein, ils ne sont pas indépendants, donc il y a un conseil scientifique tout simplement, avec des gens extérieurs et des gens aussi qui sont de la SMF. Et donc il y a eu une réorganisation et une évolution de ces comités éditoriaux. Donc c'est en concertation avec le conseil et une partie de... Mais le conseil scientifique, il est vraiment, à part Stéphane Seret et bien sûr Valérie Berthé, puisque c'est lié aux publications bien sûr, après c'est des gens qui ne sont pas dans la SMF. Non, mais moi je parlais aussi, enfin merci, c'était d'ailleurs plus intéressant probablement que ma question, mais qui portait en revanche sur l'aspect économique. C'est-à-dire, est-ce que les SMF contribuent avec les cotisations des membres à la survie de la maison d'édition ? Alors, en fait, la plus grande partie des revenus vient des livres, la vente des livres. Ça, c'est l'écrasante partie. Si vous prenez les adhérents, même s'il y a pas mal d'adhérents, ça représente 13% du budget annuel. Donc c'est vraiment grâce à la vente des livres qui représente trois quarts, même plus. Et comme je le disais, c'est notamment le problème, c'est de payer les salaires, puisqu'il y a pas mal de salariés de la SMF qui sont purement SMF, et donc il n'y a aucun financement extérieur. Et juste pour finir sur là, les annales c'est un peu différent, puisque je l'ai peut-être dit trop vite. Là, c'est juste qu'on s'occupe de la composition, de l'impression, etc. Mais c'est une revue totalement indépendante, sinon, voilà, niveau scientifique. Même si les autres le sont, évidemment, mais là, c'est un peu à part, quoi, voilà. J'ai fait exprès d'être un peu provocateur. En fait, pour l'abonnement électronique via Matrice, donc il y a directement une subvention qui est donnée aux universités pour qu'elles puissent accéder... Je vais y arriver. En fait, c'est que j'ai trop parlé à des gens de Matrice avant-hier, donc ça m'a un peu... Je suis désolé. Merci de corriger toutes mes imprécisions. Et après, il y a aussi des budgets très petits qu'on redemande chaque année, mais qui sont genre 10 000 euros. C'est-à-dire, c'est rien. Si on compare au total, c'est vraiment totalement négligeable. Et malheureusement, c'est pas du tout récurrent. C'est-à-dire que chaque année, il faut redemander. Alors, au fait, vous pouvez pas nous redonner... Oui. Et en plus, tout ça pour... sans avoir de visibilité. C'est ça qui est un peu pénible. Non, là vaut mieux compter sur la qualité des livres et la publicité qu'on fait au sens noble du terme, et c'est ça qui permet qu'on ait rééquilibré les comptes. Il n'y a pas de colmatage, voilà. Il y a quelqu'un là. L'indépendance sur le plan financier, j'imagine, enfin, c'est une faiblesse. Est-ce que c'est vu avant tout comme une force ou... le constat, c'est que déjà, je ne sais pas si en France, il y a d'autres sociétés savantes qui sont leurs propres éditeurs. Absolument, je crois pas. Mais bon, peut-être que je me trompe. Il y en a dans d'autres pays, pardon. Je ne suis pas certain, mais si vous avez des informations... Je suis prêt à aller. À ma connaissance, non, mais peut-être, oui. Et donc, c'est vrai que c'est à la fois une force, hein, ça, c'est clair, mais en même temps, c'est précaire, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se louper, il ne faut pas se mettre à imprimer 100 000 volumes de quelque chose qui va mal se vendre, etc. Et donc, c'est très difficile, évidemment. Et donc, on aimerait, effectivement, dans l'optique de ces journées, de rendre effectivement open access certains journaux, etc. Là, il faudrait peut-être avoir un autre modèle, parce qu'actuellement, tout ce qu'on fait, c'est équilibré.
C'est-à-dire, si on se met du jour au lendemain à rendre open access, en accès ouvert, certains titres, eh ben, il y aura un gros trou dans la caisse. Voilà, tout simplement. C'est pas... Donc, il faut réfléchir à diverses solutions, mais la SMF est ouverte totalement à discussion. Et pourquoi vous iriez pas un peu comme Open Edition vers le freemium, parce que c'est intelligent. On en discute, D'accord. Oui, tout à fait. Et je sais pas, tout d'un coup, il me vient un truc en tête, peut-être ridicule, mais non. Vous pourriez faire du plus grand public, au sens aller peut-être un peu vers de pas de la vulgarisation bête, mais plutôt de haut niveau. Je sais pas. Oui. Et à ce moment-là, en open access, freemium. Oui, il y a plusieurs. C'est une très. Faut pas que je dise ça comme ça, mais. Je retiens toutes les bonnes idées. Il faut en discuter. Ah, oui. Je pense qu'il y a une demande de société, franchement. C'est-à-dire que expliquer les maths, raconter les maths au grand public, c'est bon. Il y a quelques canaux qui existent, mais eux-mêmes ont des gros problèmes, vous le savez probablement. Oui. Donc il y a une place à prendre. Je pense. Donc pour l'instant, c'est sous la forme plutôt des cycles de conférences, etc. Qui font, effectivement, il y a un cycle qui est fait pour les classes préparatoires, les licences, etc. Mais au niveau des ouvrages, ce n'est pas le cas, c'est vrai. C'est tout à fait. Très bien, merci encore. Merci.